Est-ce que j'aurai l'honneur de poser le dernier bloc? D'accord, je te le laisse. Dernier bloc. Attends, attends, c'est fait. Avec défense version démo, fini. Bonjour Minecraftien, ici CellB35 pour la présentation d'une map signée TingeoffSLB, une version démo pour être précis. La démo d'une map qu'on développe en ce moment, dont vous avez sûrement vu la bande-annonce, la map Egg Defense. Je vous explique le concept de la map rapidement. Il y a un et un seul défenseur qui possède un grand empire, qui possède un œuf de dragon unique, l'œuf de dragon ultime, ton sort Dovahkiin, je le troll, lol. Bon, et non, ça c'est juste une blague. Et il doit le protéger par tous les moyens possibles, et grâce à sa puissance, il peut faire apparaître partout sur la map des mobs. Des mobs qui coûtent de l'argent. Quand un joueur meurt, ce dernier reçoit de la puissance pour faire apparaître plus de mobs plus puissants aussi. Et les attaquants, quant à eux, doivent tuer des mobs pour obtenir de l'argent et acheter des meilleurs kits, et finir par prendre le château de l'attaquant et désactiver ses deux cœurs pour pouvoir détruire l'œuf de dragon et mettre fin à la partie. Et si le défenseur meurt d'une manière ou d'une autre, la partie est également finie. Nous allons vous présenter cette map avec Tingeoff immédiatement. Et me voici en compagnie de mon acolyte, l'architecte Tingeoff, qui s'est déjà pris des flèches parce qu'on a testé une ou deux fois pour voir que tout marchait bien. C'est aussi à l'occasion des 100 abonnés, donc c'est plutôt cool. Hein. Merci à vous quand même. Hein. C'est un cap symbolique, ça, il veut pas dire grand chose concrètement, c'est un nombre comme un autre, entre 99 et 100 il n'y a pas beaucoup de différence. Mais je voudrais quand même vous en remercier, ça prouve au moins que des gens suivent nos vidéos et aiment bien ce qu'on fait, donc ça fait plaisir quand même. Bon, sans perdre plus de temps, moi j'inaugure le mode défenseur. Par contre, pour le dire, j'ai vraiment très mal à la tête et à l'épaule droite. Hein. Ouais, sauf que les flèches je les vois pas au même endroit que toi. Ah. Bon. Par contre, je me suis tapé les mobs à mort là. Tu commences avec combien déjà? Je commence avec 17 là, donc. Je vais faire summon des zombies. Et je vais me rapprocher juste pour vous montrer l'apparition des zombies qui est spectaculaire. Avec un Tingeoff en train d'essayer de les assassiner au passage. Non, sachant non, que si je meurs, non. Moi, je peux pas me agresser par les zombies. Mais c'est impossible. Là, je me casse parce que si je meurs, c'est la fin de la game. C'est hashtag fin du game. Oui, il y a un zombie villageois. Okay. Hop. Hey, mais hey, CLB, quand toi t'es venu, c'était déjà chaud avec les zombies tout court. Ouais. Oh, attention. Et là, c'est impossible. Ouais, ou j'ai un gros freeze. Oh, des gros slimes. J'ai eu un gros freeze. Plein de gros slimes. Donc Oh non. Oh non, pas des gros slimes, déjà. Et moi, ça y est, j'ai des gros lags. Je me casse. Bon. Si les personnalités de Tingeoff pouvaient fermer leur gueule, ce serait pas trop fumé, mais bon, on est plus là ça près. Moi, je me dépêche. Avec 23, je peux faire apparaître mes pigmen qui sont mad. Bon. Eh ben, je vais essayer de passer en mode rush. Oh non, quoique le kit spécial. Oh merde. Je crois que je vais mourir. Vite. Coucou. Me casse. Ok, j'ai 36 de puissance, ça commence à être pas trop mal. Je vais m'acheter les araignées. J'y arriverai à faire ce parcours de jump que j'ai réussi qu'une seule fois durant les tests. Mais non, c'est trop pourri, mais tu veux. Hop, des araignées. Magma cube ma graisse. Je t'avais prévenu, hein. Magma cube ma graisse. Ouais. Je m'amuse. Il y aura des rééquilibrages à faire, mais là pour le moment c'est trop fun. Aïe. Bon, je suis encore mort, mais j'ai. Ok, LM, j'ai 30. Alors. Ok, donc. Hop, voilà, donc je summon les squelettes ici. Squelette à gauche, squelette à droite. Quoique. Vous allez tous crever. Les flammes de l'enfer vous vaincront. Ça me
fais pas effet sur moi, je rappelle. J'ai oublié ce détail. Merde. Ça le fait effet sur moi. Quoi, c'est quoi, je suis coincé. Ah, je flambe. Au secours. Putain. Faut pas que je crève. Ah bah on a faim par contre ça me disait des détails auxquels j'avais pas pensé. Oh non, il y a... Ok, mince, en plus j'avais coupé le record, c'est ridicule. Je suis morte de feu pendant ce temps-là. Ok. Donc c'est une victoire de Tinjoff pour cette première partie. Hein. On a bien joué, je suis content quand même. Tinjoff ? Il ne monte pas dans le temps. Hein. Bah ce sont des choses qui arrivent, on va faire deuxième partie et c'est moi qui serai attaquant ce coup-ci. J'ai pu vous montrer le gameplay un petit peu. S'il se rapprochait, j'avais toujours des gardiens à faire apparaître. Hein, donc au pire, voilà. Allez, à toi l'honneur de devenir défenseur. Hop. Oui. Attaquant, je commence. Voilà. Il y avait un bébé poulet, je l'ai tué. La lave que tu as mise là, elle est juste dangereuse. Bon. Oui, c'est pute. Par contre, il y a le feu dans la forêt. Il y a le feu dans la forêt. Est-ce que je me casse moi? C'est bizarre que t'aies que un monnaie par contre. Non, ah bah non, c'est toi qui vois que j'ai un monnaie, mais en fait j'ai rien. Ouais. Corbord. Attends, elle a ça. Reset. Ouais, non, je vais pas te reset pour ça. Tant pis. Hey, qu'est-ce que tu fous là, toi? Espèce de spy. Je me casse. Eh bah, viens me chercher. Lol. Ok, LM. Ah, tu t'y attendais pas. Non, je m'y attendais pas. C'est bon, j'ai assez de points. Je te laisse. Je me casse. Ok, donc moi, mon but, c'est de neutraliser l'œuf de dragon. Il y a un petit jump pour ça. Hop. Désolé, j'étais obligé de faire ça dès maintenant. Ne regarde pas derrière toi, c'est atroce. Ok. Merde, je vais me faire tuer si je passe par là. YOLO! En fait, tu vas te faire tuer quoi qu'il arrive. Je suis trop fort en jump pour toi, loser. Je suis en sécurité. Je rappelle que c'est moi qui fais ce parcours. Aïe. Ma touche de saut, elle a pas fonctionné. Et bim! You mad, bro? Mais normalement, il faut détruire les deux boutons. Bah, j'ai détruit les deux boutons. Ah, merde. Et oui, voilà, l'œuf de dragon détruit. C'est encore une victoire de moi. Je suis le meilleur. Non, j'aurais pu te... J'aurais pu te con... Par contre, mais Tinjoff avait gagné la première fois. Donc, comme quoi, c'est bon. T'as encore bloqué les commandes blocs. Non. La première fois, j'avais aussi gagné parce que t'étais mort à cause. Allez, on alterne. Hein. Par contre, oui, du coup, ce serait bien que ça heal. Par contre, t'as vu le Fire Kit, t'aurais dû aller chercher dès le début. Ouais, pas faux. Tous ceux qui verront cette vidéo ont un avantage contre tous les autres. Hein. Je précise. Par contre, en fait, le parcours de jump pour détruire l'œuf est plus simple que le parcours de jump pour atteindre. Il est plus long. C'est un truc qui m'embête un petit peu. Parce que là, t'aurais dû mourir au reset. Hein. Ah, d'ailleurs, tu sais quoi? Quand tu actives le kit spécial de feu, t'es obligé de se suicider après. Ah bon? Ouais, y a pas de moyen de remonter. Oh putain, j'ai moins 6 de puissance, moi. Comment ça se fait? Ah bah, je m'en fous. J'sais pas. J'ai 4 de puissance. Bon, pas grave, j'ai le fire kit donc j'en ai rien à foutre. Ouais, il y a 2-3 trucs à encore modifier, mais bon, c'est une ébauche, c'est une démo. La map sera beaucoup plus grande normalement, avec des builds beaucoup plus classe. Beaucoup plus classe, énormément plus classe. Ouais, d'ailleurs, vous avez vu sur le trailer. Hein. Ok, LM, je me casse. Et... Putain, si je meurs, c'est fini. Je crois que c'est fini. Tu vas crever. Putain. Ah, bien joué. C'est petit, hein, c'est pas grand chose. Défenseur, il faut qu'il y ait un peu plus d'armure.
faudra qu'il ait un peu plus d'armure. Ouais, c'est un truc que Fire j'essaierai de faire. peut rien faire. Contre D'ailleurs, Fire City, c'est pareil. J'imaginais un truc. Je vais pas modifier ça en direct, mais. Parce que faut le dire, le Fire Kit il est badass quand même. Le Fire Kit, il est badass, ouais. Donc, si vous le. Donc, je sais pas si vous avez compris. À toi l'honneur. Hop, attends. Hop, voilà, comme ça je récupère toute ma life. Défenseur. Hop, commence la game. Lolo 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 lolo. Il est sérieux? Lolo, merde! Un freeze. J'y ai cru, j'y ai cru. Ah ouais, par contre c'est bizarre qu'il n'y ait pas ça. Ouais, ça a flambé, Regarde. merci Tinjoff. C'était vraiment une idée de Quoi? merde. YOLO! Oh! Bim! T'attendais à Non, quoi, mec? C'est toujours les attaquants non. qui gagnent, j'ai remarqué là, actuellement. N'empêche, l'attaquant, ouais, il est vachement plus fort en fait. Ouais. Faudrait Ouais, on va refaire rééquilibrer. encore 2-3 parties et puis on va laisser nos viewers là-dessus. Ça vous fait déjà une petite démonstration de ce à quoi la map ressemble. Hop. Sachant qu'elle est déjà beaucoup plus équilibrée, l'autre. Hein. Ouais, l'autre on a pas fait de test, tu me diras, elle est beaucoup moins avancée vu qu'elle est beaucoup plus complexe à faire. Ouais, mais elle est déjà beaucoup plus équilibrée. Présenter prénom, pardon. Ok, Non. lapsus de merde. Bon. Il meurt. C'était extra. C'est la puissance gratuite, ça. Ouais, de la puissance Et gratuite, d'ailleurs, c'était fait l'escalade exprès. de droite ne marche pas. OKLM, j'ai compris. C'était le révélateur. Et maintenant, je suis obligé de me suicider. Hashtag spawn kill. Tu disais? Putain non. Merde. Crève. Ah, oh, fuck. Faut vraiment rééquilibrer. Faut vraiment rééquilibrer. Ouais, faut rééquilibrer ça, c'est certain. Bim. Ça y C'est est. beaucoup équilibré l'équipe. Faudrait que j'ai au moins du P1 ou du P2. Pourquoi? Ça va être replace après. Ouais, il faudra que du P1 et du P2. On va conclure cette vidéo là-dessus, les amis. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la map vous plaît aussi. Normalement, j'ai mis le lien dans la description si je suis pas un putain de flemmard. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage. La map va être publique. Et on en fera une du même concept, mais plus poussée dans peu de temps. Et déjà, on projette depuis bien longtemps, mais elle a du temps à faire. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage. Et je vous dis au revoir. C'était CLB. Ah, oh, hé. Je me laisse pas faire, moi, je suis en F5, mais... Bon, au revoir.